manchette aujourd'hui, le nouveau programme de formation d'entraîneurs pour le soutien physique. Une zone de chamaillade et sur notre plateau, Mélissa Champigny pour l'activité Le Tour du Monde. Bonjour et bienvenue à ce bulletin de la salle des nouvelles. Le Centre de formation 24 juin instaure un nouveau programme d'entraîneurs en soutien à la condition physique. Le cours serait d'une durée de 216 heures. Selon la Fédération des kinésiologues du Québec, le nombre d'heures ne serait pas suffisant pour acquérir toutes les compétences nécessaires. Jeanne Cloutier, Léa Goupy-Saint-Laurent et Gaëlle Lacroix-Côté s'intéressent davantage à ce sujet. À compter de ce mois, une nouvelle formation d'entraîneurs en soutien à la condition physique sera offerte au Centre de formation professionnelle 24 juin. Mais selon la Fédération des kinésiologues du Québec, cette formation pourrait mettre en jeu la sécurité du public. Nous avons interrogé William, étudiant en éducation physique et à la santé, en deuxième année à l'Université de Sherbrooke, étant donné sa connaissance à l'égard de ce sujet. Nous avons essayé de contacter la CSRS et KinImpact, son association. Et les deux ont refusé de nous parler à ce propos. Est-ce que tu es en accord ou en désaccord avec la mise en place de ce nouveau projet et pourquoi? D'un point de vue éducatif, je suis entièrement d'accord avec la mise en place du projet. La raison est fort simple. Si on veut que les jeunes restent à l'école, puis si on veut leur trouver des motivations pour faire en sorte que ces jeunes restent à l'école tout le long de leur secondaire et qu'ils aient même espérance de continuer vers des fins plus loin. En sortant de cette formation de 216 heures, les jeunes ne sont pas des professionnels. Mais au point de vue éducatif, William croit que c'est une bonne idée d'offrir cette opportunité dans le domaine de l'éducation physique. Le domaine où il travaille. Comme en 216 heures juste de théorie, tu peux pas après ça t'auto-proclamer un professionnel pour genre gérer les gens dans un gym. Tout le monde peut s'entraîner, mais c'est toujours plus prudent de savoir comment faire. C'était Jeanne Cloutier, Léa Goupy et Gaëlle Lacroix-Côté pour la salle des nouvelles. Durant la semaine du 6 au 12 janvier, le collège de Saint-Bernard, situé à Drummondville, a mis en place une zone propice pour les jeux de chamaillage. Charlotte Latulippe, Rebecca Dufresne et Pierre-Anthony Fortier se sont demandé si ce projet pourrait aussi être adopté à la CSRS. À l'école primaire Saint-Bernard, ils ont instauré un carré pour se chamailler dans la semaine du 6 janvier. L'idée est survenue de l'année passée. Une enseignante qui les a laissés se chamailler avec surveillance. Et en rentrant en classe, elle a constaté que les élèves étaient plus calmes et plus concentrés. Nous avons rejoint Dominique Guévin, directeur du collège de Saint-Bernard à Drummondville, pour en savoir sur le jeu du chamaillage à l'école. Bien, nous, c'était très favorable parce que ça veut dire que c'est quand même quelques années qu'on cherche des solutions à nos jeunes qui veulent des solutions des fois un petit peu plus exutoires, si on veut, là. C'est que on est rendu dans une société très aseptisée, là, où on n'a pas droit à beaucoup de débordements. Puis on se disait comment on peut faire en sorte qu'on peut avoir du plaisir, mais surtout que ça soit organisé, avec des règles du jeu que tout le monde connaisse, là, puis qu'on puisse bien fonctionner puis dans l'harmonie là-dedans. Monsieur Guévin nous a aussi informé qu'avant d'instaurer la journée de chamaille, il y a une démarche à suivre. La première étape était d'en parler au personnel, aux éducateurs et aux souverains de l'école. La deuxième étape était d'en informer les parents, voir s'ils étaient d'accord avec cette idée. La troisième était d'expliquer les règles aux élèves pour le bon fonctionnement du jeu. Il est aussi mentionné que depuis l'ouverture du jeu de chamaillage, il n'y a eu aucun cas de blessés. Nous avons aussi interrogé quelques jeunes pour savoir s'ils aimeraient avoir la zone dans leur école. Je pense que se batailler à l'école, ce n'est pas bon parce que ça peut faire mal aux amis. J'aimerais ça avoir un coin pour se bagarrer avec les amis. Merci, M. Guévin, de vos réponses. C'était Pierre-Anthony Fortier, Rebecca Dufresne et moi-même, Charles Latulippe, pour la salle des nouvelles. Des jeunes secondaires à Laval ont été expulsés car ils trafiquaient des vapoteuses. L'expulsion des 6 élèves concernés s'est déroulée le 18 février dernier. L'établissement voulait mettre au clair que vendre des produits de vapoteurs est illégal aux mineurs. Rappelons-nous que les jeunes fument de plus en plus la cigarette électronique en Amérique. Depuis l'an dernier, il y a eu une augmentation d'au-dessus de 70 % d'utilisateurs du vape.
Les chercheurs sont inquiets face à ce problème, car ils réalisent que l'on vit dans une nouvelle génération à risque d'être dépendant de la nicotine. Les progrès qu'on a réalisés pour réduire la consommation de nicotine chez les jeunes tombent à l'eau, depuis la croissance exponentielle de vapoteurs et dans les cours d'école secondaire. En effet, les adolescents sont les plus grands utilisateurs de la cigarette électronique et du Juul, ce dernier étant un petit vape discret et portatif. En 2018, on est passé de 1,5% à 20,8% de l'utilisation de la vapoteuse, mais un déclin de 8% a été noté pour les cigarettes normales. Pas tous les pays reconnaissent la cigarette électronique faisant partie de l'utilisation du tabac, mais elle a des effets tout aussi néfastes sur le corps. Lundi, le 11 février 2019, la ville de Sherbrooke a décidé de déposer sa candidature pour les Jeux de la francophonie de 2021, prenant la place du Nouveau-Brunswick qui s'était désisté en janvier pour une question financière. Le maire de Sherbrooke, Steve Lucier, a affirmé que la ville ne dépassera pas plus de 5,5 millions de dollars pour l'organisation de ces Jeux. Mais cela ne semble pas suffisant pour un événement de telle sorte. Le ministère de Développement international, Marie-Claude Bidault, a réaffirmé lundi que le fédéral s'engagera à payer 50 % de la facture. Apple lancera sa nouvelle application Apple News la semaine prochaine au Canada. Elle sera configurable et adaptée à chaque utilisateur pour offrir la meilleure expérience. Nombreuses chaînes seront partenaires, mais la sortie de cette nouvelle application de journal ne plaît pas à tout le monde. Elle a été critiquée ici au Canada, car elle va réduire l'utilisation des services de nouvelles déjà instaurés au Canada. Ce phénomène n'est pas nouveau. Depuis que l'on a la nouvelle à portée de doigt, la population n'a plus besoin de papiers journaux locaux, donc on assiste à une chute grave de besoin de papiers journaux et de chaînes radio. Plusieurs manifestations contre l'économie et pour exiger le départ du président haïtien Jovenel Moïse ont, pour la troisième journée consécutive, paralysé samedi les activités des principales villes d'Haïti, cause la mort d'au moins une personne. Des milliers d'Haïtiens ont manifesté devant le Palais national à Port-au-Prince pour demander une enquête concernant une somme de 3,8 milliards de dollars qui devrait financer le programme Petro-Caraïbes. Les manifestants réclament donc le départ immédiat du président haïtien Jovenel Moïse. Durant ces manifestations, un jeune homme a été tué et un autre blessé par balle. Les manifestants se sont alors rassemblés devant l'hôpital où le corps avait été transporté. Après la pause, le volet culturel et sportif de la commission scolaire de Sherbrooke, le projet de robotique à l'école à Monté et en entrevue Mélissa Champigny pour le Tour du monde. Against my knees, fading beneath that tree, could we swim on clouds? Allô, maman? Peux-tu venir me chercher? J'ai bu. Thank you.
À chaque année, les élèves en classe d'accueil à l'école secondaire de la Montée font connaître aux autres élèves leur culture et leur pays d'origine. Nadège Boivin s'entretient avec Mélissa Champigny, enseignante en classe d'accueil, pour savoir ce qui a été préparé cette année. Bonjour Madame Champigny, merci d'avoir accepté notre invitation. Le Tour du monde est une activité supervisée par les enseignantes en classe d'accueil depuis plusieurs années. Cette année, vous avez ajouté une troupe de danse qui présente des ateliers aux jeunes d'accueil et même une prestation ce vendredi de cette semaine à l'ensemble des jeunes de l'école. Pourquoi avez-vous fait appel à eux? Bien, premièrement, dans plusieurs cultures, la musique, le chant, la danse, c'est très important. Donc, ça fait partie du bagage culturel des élèves. On trouve important, dans le fond, de pouvoir faire connaître ce bagage-là aux autres élèves de l'école et aussi pour qu'ils puissent le connaître entre eux. L'art, ce qui est bien, c'est que c'est un langage universel. Donc, les gens, même si on ne comprend pas la langue, on est capable de se rejoindre sur ce point-là. Et Sankofa utilise la musique et la danse de différents pays. Donc, pour nous, c'était un incontournable de faire appel à eux. Les élèves d'accueil vont aussi préparer les kiosques avec de la nourriture, des vêtements traditionnels, de la musique au retour du congé et de la relâche. Ils seront installés dans le corridor du nouveau 1100 près de la cafétéria. Quel but visez-vous pour cette activité? Mais dans le fond, le but, c'est que les élèves puissent présenter leur culture, leur tradition aux autres élèves de l'école. Souvent, quand on ne connaît pas la personne devant nous, ça peut nous faire peur. Mais une fois qu'on connaît, on est déjà plus apte à aller vers l'autre. Donc, c'est ce qu'on veut, favoriser l'intégration de ces élèves-là, puis, dans le fond, que tout le monde connaisse un peu leur culture, parce que les élèves sont fiers de leur tradition, de leur culture, de leur religion, etc. Donc, on le présente à vous tous. Essentiellement, les jeunes immigrants proviennent de trois grandes régions du monde, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique latine. Est-ce que l'intégration est difficile pour eux? Ça dépend, oui et non. Pour certains, ça va être plus facile parce qu'ils viennent d'un milieu qui nous ressemble. Donc, ils ont été scolarisés, les parents travaillaient. Donc, pour eux, c'est juste un changement de milieu. Ça va être beaucoup plus rapide. Pour d'autres, c'est beaucoup plus long. Il y en a qui ont connu la guerre, qui ont eu des interruptions de scolarité pendant des années. Donc, il faut leur donner le temps de s'adapter à leur nouveau milieu. Puis, il faut aussi penser que s'intégrer, c'est pas être assimilé. Donc, dans le fond, ils vont garder une particularité qui leur sont propres, mais ils vont apprendre à fonctionner dans notre système, système social, système scolaire. Merci, Madame Champigny. Je vous rappelle que Mélissa Champigny est enseignante en classe d'accueil et est responsable de l'activité Le Tour du Monde à l'école secondaire de la Montée. Du 31 janvier au 8 février dernier, 23 élèves de secondaire 5 en vocation santé globale de l'école secondaire de la Montée ont pris part à un voyage à Cuba. Juliane Bilodeau, Jacary Bolduc-Gigard et Jackson Lefebvre nous racontent le voyage. Ce n'est pas seulement dans les écoles secondaires qu'il peut y avoir des gros projets. C'est aussi possible dans des plus petits établissements comme l'École des aventuriers. Mathis Bray et Mathis Comine se sont allés voir le nouveau mur d'escalade. En effet, l'École des aventuriers a décidé de voir gros pour un nouveau projet.
un mur d'escalade qu'elle a inauguré le 6 septembre 2018. Grâce à ce projet, les élèves de cette école pourront avoir une plus grande diversité d'activités. Nous avons pu nous entretenir avec Madame Caroline Haller, enseignante en éducation physique à l'école Les Aventuriers, pour en savoir plus sur ce projet. Donc, on a réalisé ce projet quand on a pris connaissance dans la nouvelle école qu'il n'y avait aucune structure pour les élèves où ils pouvaient grimper, où ils pouvaient relever des défis en hauteur et où ils pouvaient se dépasser leurs limites. Madame Haller nous a aussi fait part que ce projet coûtait dans les environs des 40 000 dollars et que ceci ne serait pas réalisable sans l'aide de la Fondation Grandir en Santé, du défi Pierre Lavoie et d'un partenariat avec Christian Vachon lors d'une course organisée à Magog. Ouais, c'est pas mal cool. Nous, on a comme des activités. Puis, Madame Caroline, le midi, il y a différentes activités, ça dépend des fois. Ce projet est un exemple parmi tant d'autres. Avec des parents motivés et des campagnes de financement qui peuvent aider des projets coûteux comme celui-ci, les autres écoles pourraient prendre exemple sur l'école des aventuriers. C'était Mathis Comines et Mathis Bray en direct de la salle des nouvelles. Dans plusieurs écoles secondaires, des projets sont mis en place pour aider les élèves en difficulté d'apprentissage. C'est le cas du projet robotique à l'école de la Montée, Pavillon Saint-François. Amélie Normand et Lily Métaillé sont allées sur place pour en apprendre davantage. Ici, à l'école Lebert, nous avons l'Hyperion qui est un programme réservé aux personnes qui veulent créer de toutes pièces des robots. Mais tout ne commence pas là. À l'école Saint-François, il y a un projet robotique en adaptation scolaire. Bonjour, je m'appelle Lily Métaillé. Nous sommes en direct de l'école La Montée, Pavillon Saint-François, et nous allons voir Karine Charland par rapport à son projet de robotique. Au fond, la robotique, j'ai appris à en faire et à voir à quel point que ça l'apporte énormément pour les jeunes. Donc, ces projets-là, je fais les matières à l'aide de la robotique. Donc, les jeunes apprennent tout en s'amusant énormément. Comme là, on est en train de faire un projet, les tapis défis, avec les classes de voix science. Donc, il y a un groupe qui va apprendre à faire la robotique à l'aide de mes élèves. Ça, c'est la caisse pendant 2 ans. Et là, on est rendu, c'est le numéro 1. En fait, le tapis défi, c'est que tu fais une histoire avec un robot. On devait écrire une histoire qui avait rapport avec un tapis défi qu'on devait faire. Quand j'aimais pas ça à la robotique, mais au fil du temps, j'aimais ça. Avec mon coéquipier, on se pratiquait, tout ça. Et j'ai commencé à aimer la robotique. Français parce qu'on devait écrire un texte. J'espère que ce projet sera pour vous un avant-goût de ce que vous pourriez faire plus tard à l'école Lebert. Ici Amélie Normand et Lily Métaillé en direct de la salle des nouvelles à l'école Lebert. C'est ici que notre bulletin de nouvelles se conclut. À la réalisation, Félix Lévesque et Misaël Zapata-Pépin. Vos lecteurs, Vanessa Gagné et moi-même, Corinne Charland-Saint-Pierre. Écoutez bien la musique du bulletin. Il s'agit d'une création originale des élèves en concentration musique à l'école Michel-Montcalm. Merci et à la prochaine.